Ah là là, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je viens faire une vidéo, donc c'est un partenariat avec, je l'ai noté, ACL Art Create Love. Donc c'est, je vais faire le bon unboxing. Enfin, c'est le haul quoi, c'est le haul de... du partenariat. Je suis en train de ranger mes affaires, c'est n'importe quoi. Donc j'ai reçu ma commande mardi, on est jeudi, donc je vais faire la vidéo. Donc je vais vous rapprocher et je vais vous faire voir ce que j'ai commandé dans le cadre du partenariat. Donc j'ai déjà enlevé les trois petits articles là de la grosse enveloppe. Et maintenant, on va découvrir ensemble ce que j'ai pris, si je ne me rappelle plus. Enfin, si, je sais qu'il y a deux éventails, hein, de ce temps-là, c'est ce qu'il faut. Il faut des éventails. Donc, je sors tout de la pochette. Donc, la première pochette. Donc, c'est de la peinture à numéro. Alors, comme c'est un éventail, il y a un petit pompon. Pompon, pompi, pompon. Il y a un petit pompon. Il y a deux petits pinceaux comme ça. Il y a la peinture numérotée. Donc il y a 8 petits godets de peinture numérotés de 1 à 8. Voilà. Et donc le fameux éventail. Donc le petit pompon, il y a la croche ici pour le mettre. On peut mettre le pompon ici. Vous voyez? Donc que je l'ouvre dans le bon sens. Ah! Allez, voilà. Il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Donc voici l'éventail. Donc cet éventail là, bah, comme ça vous n'allez pas voir trop ce que c'est. C'est des coquelicots. Donc il n'y a plus qu'à les peindre, les coquelicots. Et de ce temps là on ferait bien ça. Hein. Ah fait que calor. Hein, il fait chaud. Donc c'est des coquelicots. Donc il n'y aura plus qu'à le peindre. Alors il y a les numéros et on met la peinture sur... voilà, donc à voir comment je vais faire. Donc voilà, et normalement une fois terminé ça doit donner ceci, ça doit donner ceci une fois que c'est terminé. Donc on verra quand je l'aurai fait, on verra ça un peu plus tard quand je l'aurai fait. Donc il y a celui là je le ferai en premier parce que c'est pour offrir. Parce que j'ai ma cousine qui adore les coquelicots. Elle est en plein dans les coquelicots en ce moment. Elle brode des coquelicots. Elle fait des cartes aux coquelicots. Elle boit dans une tasse à coquelicots. Elle fait tout. Si elle voit ma vidéo, elle va dire « Mais elle se moque de moi !» Non, non, je ne me moque pas. C'est ta passion, les coquelicots. Comme moi, la passion, ma passion, c'est le violet, c'est les gantueuses. On a chacun, et puis Noël, on a chacune notre passion. Hein? Donc je remets tout dans le petit sachet. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal à le titiller dans le fond, lui. Allez, descends. Descends. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est un premier. Et comme un éventail, c'est pas suffisant, j'en ai pris un autre. Celui-là, il sera pour moi. Donc l'éventail est dans cette pochette-là. Donc j'ouvre. Voilà, je vais tout sortir. Ouh là là. Il sort tout, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Donc, on a le petit pompon rouge. Parce que le mien, c'est sur le thème de Noël. Donc petit pompon rouge, les deux petits pinceaux, pareil, comme d'hab, il y a les petits pinceaux,
Voilà, il y a les petits pots peinture. Alors il y en a 12 en tout. Il y a 12 couleurs. Bah ouais, c'est un peu plus. Il y a un peu plus de couleurs dans celui-ci. Donc on va regarder ensemble. J'enlève la petite accroche là. Parce qu'ils sont maintenus par une petite bande. Il y a une petite bande cartonnée autour. Je l'avais bien enlevée tout à l'heure. Sur l'autre, j'avais réussi à l'enlever, mais là, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Sinon, je vais faire comme ça. Là, c'est trop serré. Donc ensuite, eh bien, il faut essayer de trouver dans quel sens il s'ouvre. Voilà, tout doucement. Et là, c'est le thème de Noël. Donc voilà, éventail, thème de Noël. Donc voilà, ça fait ça. Ouh, ça fait du bien! Ça fait du bien! Allez, on referme. Donc je suppose que quand on est en train de le faire, on le referme pas, parce qu'autrement, de toute façon, il faut laisser sécher la peinture, je pense. Hein, bah oui, c'est mieux, hein, bah oui, c'est quand même mieux. Donc ça donnera ça, je ne vous ai pas fait voir le petit papier. Une fois terminé, ça doit donner ceci. On va essayer. On va essayer de faire que ça soit ceci et pas cela. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la boutique. Et puis vers les produits que j'ai choisis. Vous trouverez tout ça dans la barre d'infos. Donc je rappelle, c'est ACL Art Create Love donc, qui m'a proposé le partenariat. Alors j'essaye de tout remettre dans la pochette, mais comme ça colle Anatole, ça ne veut pas y aller. Allez, qu'est-ce qui colle encore? Tu y étais avant, alors tu dois bien y retourner. Ça y était, ça y était, ça y était, ça y était, ça y était. Ça doit être collé quelque part. Donc c'est la peinture au numéro, donc j'ai jamais fait ça, c'est ma première fois. Ça sera la toute première fois pour moi. Et puis je pouvais prendre un troisième article, donc hop, j'ouvre. Alors le troisième article, c'est une toile en 20... Je crois que c'est en 20 sur 20. Donc j'ai les petites peintures. Là, il y a trois pinceaux. Il y a trois pinceaux. Il y en a un qui est beaucoup plus large. Il y a un fin, un milieu et un large. Il y a en tout 10 couleurs de peinture. 10 couleurs de peinture. Et donc le dessin, c'est celui-ci. Alors je vais essayer de vous le faire voir en entier. Donc c'est une toile. Alors là, ça vous dit rien du tout. C'est un bord de mer avec un phare. Donc normalement, une fois terminé, ça doit donner... Normalement, ça doit donner ceci. Une fois terminé, ça donne ceci. Donc, à voir. On verra bien si ça donne ça ou pas. Youhou! Youhou! Là. Alors, il y a un autre papier. Alors, est-ce que c'est en français? Les instructions d'utilisation. Apply the appropriate paint according to the corresponding area label. Pay attention. Pas play. Pay attention. Alors faites attention sans doute. Ce produit only contain all the relevant accessories except the frame. Frame. Which need to be created by the buyer himself. Due to the long logistic transportation time.
We have adopted a specific way of packaging to avoid, but cannot completely guarantee no crises. So, if the Canva you receive has crease or fold, please smooth the canvas before painting or iron it with the ironing machine before. No comprendo. Bon, on va faire Google traduction, comme ça sera mieux, hein, parce que là pas comprendre the English language. C'est pour ça que quand je réponds favorablement à une demande de partenariat, avant de répondre, je fais Google traduction pour savoir qu'est-ce qu'ils me demandent. Puis après, pour répondre, Google traduction, moi j'écris en français, puis je leur envoie ma réponse anglaise. Parce que moi, je ne sais pas répondre autrement. Ben non. Il y avait un petit elastacos. Donc, je vais remettre tout ça dans la pochette. Je vous mettrai donc les liens vers la boutique, les liens vers les trois articles. Et là, on a même deux petites accroches pour le tableau. Parce qu'après le tableau, c'est une toile qu'il faut tendre sur un support, quoi. Donc, soit sur un support, voilà, pour mettre au mur. Sinon, moi, je me disais, ça pourrait peut-être faire une couverture d'album, peut-être. Je sais pas. Donc, c'est à voir. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, je ferai pas les peintures en vidéo parce que ça va me prendre du temps. Surtout que je veux prendre mon temps. Je vais prendre mon temps pour rien louper. Donc déjà je suis lente, alors là je vais me mettre en mode extra lente. Donc voilà, c'était le unboxing de ACL Art Create Love. À bientôt, merci, scrap bisous les copains et les copines, à bientôt.